Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fuga Melodies of Steel, toujours le jeu des petits enfants. Allons voir un peu ce qui nous attend. Un grand kit pour en avoir trois. Je pense que oui. Allez, les soldats ne sont pas les seules victimes de cette guerre. Il faut concentrer tous. Excepté ceci. De la viande, merci. Apparemment, les Bermans occupent une usine un peu plus loin. Il y avait de bons ouvriers là-bas. Si l'usine est entre leurs mains, ils auront encore plus de puissance. Merci. Je suis venu ici pour prier, mais je m'ennuie et je suis content d'avoir apporté Morph Mag. Vous n'avez pas encore lu le dernier épisode des aventures de sucre? Très bien. Grande cellule d'énergie. Merci. Par contre, j'aimerais bien échanger des cellules d'énergie contre de la vie. Nous, c'est plus la vie qui nous manque plus que les cellules d'énergie. Soirs illuminés par l'ardeur du charbon. L'ardeur du charbon. Zone minière de Shetland. Les enfants poursuivaient leur route vers le sud, en direction du bassin minier, où ils espéraient trouver leur famille. Alors qu'ils approchaient de leur destination, ils aperçurent un vieux char de l'armée de Gasco en ruine, avançant péniblement vers eux. Gasco, oui, nos amis. Hein ? Qu'est-ce qui est arrivé à cet engin ? Il tombe complètement en morceaux. Il semble s'agir d'un char de Gasco, il a l'emblème national. Pensant avoir affaire à un allié, ils poussèrent un soupir de soulagement. Mais c'est alors que le petit char tira dans leur direction. Mais quel salaud! Ah, qu'est-ce qui se passe? Calmos, ils peuvent pas faire grand-chose avec ces tirs si pourris. Foutu Berman! Foutu Berman! Je ne vous pardonnerai jamais, bande de salauds! Attends, nous ne sommes pas les Bermans! Il y a avoir un malentendu. Il est bizarre ce char. Ah, attendez, vous êtes des enfants vous aussi? Un nouveau perso. La vieille machine s'arrêta brusquement et se mit à cracher de la fumée. Elle était sur le point de tomber en morceaux. Un garçon s'en extirpa de justesse, se releva et s'approcha du Taranis, non sans une certaine appréhension. Oh. Donc, vous autres, vous n'êtes pas de l'armée Berman? Le garçon s'appelait Jean. Ah, encore un pantalon. C'était le fils du propriétaire d'une usine du bassin minier. Celle-ci avait été confisquée par l'armée Berman et le père de Jean, exécuté. Bande de salauds. La femme officier qui en avait donné l'ordre occupait encore l'usine. Et Jean préparait désormais sa vengeance. Vengeance. Je ne pardonnerai jamais. Jamais, vous m'entendez? Laissez-moi venir avec vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Que devons-nous faire? Eh bien, on ne peut pas l'abandonner. Donc écoutez ce qu'il a à nous dire. Oui, je le pense aussi. D'après Jean, les prisonniers de l'usine y étaient réduits à l'état d'esclaves. Accueillant le garçon parmi eux, les enfants partirent à leur secours. Jean a rejoint l'équipage. Très bien. Qui est-il? Que fait-il? Qui est-il? Excellent. Wow! C'est la première fois que je vois une machine comme celle-ci. Jean, fasciné par la mécanique du Taranis, arpentait le char jusque dans ses moindres recoins. Ah, c'est l'ingénieur. Il tomba sur l'un de ses nouveaux camarades, ayant visiblement des problèmes avec la machinerie. Hé! Hey, c'est quoi le problème? Ça s'est cassé tout seul, hein? Laisse-moi voir, ça ne semble pas cassé. Voilà, ça fonctionne. C'est tout ce qu'il fallait. Ouais, ouais, j'en étais sûr que c'était ça. Bien joué, mon gars. Tranquille, c'était pas grand-chose. Tu sais, j'ai grandi dans une usine, donc bon, voilà. Peu à l'aise face aux éloges, Jean se retira sans un mot et reprit son exploration du Taranis, avec un regard fasciné.
Ça va être le casse-couille de service, quoi. Allez, interlude. Je veux manger du chou. Je veux cuisiner. Je veux explorer. Je veux faire une soirée pyjama. Je veux jouer avec le mouton. J'ai faim. Je veux explorer des ruines. Je veux avoir une conversation. Je veux dormir. Je veux améliorer le canon. Ok. Bon. Ok. Je veux faire une soirée. Ok, donc il faut prendre Mei déjà. Déjà, on va prendre Mei. Allez. Et elle peut parler à Boron. Séquence duo avec Boron. Boron, Boron, je vais être aussi grosse que toi. Je fais comment? Tu veux vraiment être grosse comme moi? Peut-être que tu peux essayer de manger beaucoup pour devenir grande et forte. Manger beaucoup? Et sinon? Par contre, je ne fais pas la sieste juste après avoir mangé. Tu te ferais gronder, quoi d'autre? J'aime pas ça, mais tu peux aussi faire beaucoup d'exercices. Exercices? Je fais comment? Laisse-moi réfléchir. Peut-être aider les autres à faire les corvées. Cela nous rendrait encore vraiment heureux. Je vais manger beaucoup et aider tout le monde. Ça, c'est très bien. T'es la meilleure, Mei. Oui, tu es l'enfant. Très bien. Et elle veut jouer avec le mouton, hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc, il faut qu'on ait juste le mouton. Très bien. Alors, plein de choses, évidemment. Alors, il nous faut le mouton, du chou, des tomates, des patates et des pommes. On aurait pu planter des carottes également. Non mais lui, il est level 14, c'est dégueulasse. Bon, Shina, elle veut faire quoi? Je veux manger du chou. Je veux cuisiner. J'ai faim. Ok, donc elle va faire 3 personnes en un coup. Et ça, c'est bon. Parce qu'on va faire du chou farci. Yeah. Ok, ok, ok. Voilà. Explorer des ruines, ok, donc eux ils vont aller ensemble, soirée pyjama entre filles. Donc Ena et machin, ok. Ok, ok. Donc. Kyle, il veut une discussion entre mecs. C'est ça, hein, qui dit. Oui. Donc voilà. Tout va bien ? Voilà. Ça c'est fait. Ok. Explorer des ruines, explorer des ruines. Alors, maintenant. Anna. C'est parti. Elle veut dormir avec... la petite. Et vu que c'est un truc entre filles, on peut y mettre Shina également. Donc, on veut Anna. On veut... Chick. Et on veut Shina. Trois filles, donc c'est bon. Ok, ok, et voilà. Très bien. Deux ruines, donc, ok. Monter. Il y en a ramassé, non? Alors, on va observer la zone minière. Regardez. Pourquoi pas? Alors, on a dit Sok, Hack et Shina pour qu'elle gagne de l'XP. Allons-y. Ok.
monstre. Faut 3 balles pour le tuer. 4 balles ? Meurs. Merde, il va manquer une balle ? Non, elle va être là. Non, il fallait une balle là pour casser. Non ! On a loupé un objet. C'est la fin. Fin du jeu. C'était l'objet ultime qui nous permettait de gagner le jeu instantanément. Tant pis, on va devoir finir le jeu normalement. Bon, c'était une blague évidemment. Ok. Et donc, il reste plus que Jackie. Est-ce qu'on a de quoi améliorer le canon? C'est ça la question. Oui. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a en termes de... Retard, 16, 15, 14. Ça veut dire qu'on doit prendre le chien. On doit prendre lui. Et va faire quelque chose de ta vie, je sais pas, va à la pêche. Montre-nous que tu sers à quelque chose. Et bah voilà, tu vois que tu sers à quelque chose. Yes! Très bien. En avant! Route normale! 3 combats. Ah, mais il y en a un vert là! Non, c'est pas ça. Merde. Il nous faut du jaune ici. Toi en jaune, toi en bleu. Ça va quand même améliorer leur, leur fidélité là. Analyse. Ah, il est quand même fort. Hein. La nouvelle génération de modèles de Jaghunt disposant d'une attaque et d'une défense améliorée. Viser son point faible pour retarder les actions. Ok. Dégâts. Ouh, presque one shot. Allez, on moi. On cher là. C'est pas très grave. Parce que toi, tu dégages. Berceuse. Ah, j'ai pas regardé ses attaques à lui. Champ de mine. Grenade fumigène. Ok, bravo à grenade incendiaire. Nickel. C'est tu. Saleté de Perman. Ya. Alors par contre, le fait qu'ils attaquent avant moi, ça me fait un peu chier parce que je prends des dégâts gratos. Surtout si l'autre, il leur met rapidité. Ok. Il a l'attaque. Yes. Ils sont là. Défense.
Cachons-nous. Ouh, le 1200, ça fait mal. Salaud! Ok, on attaque tous avant eux, donc berceuse. Voilà. T'en fous, tu tapes ce qui tu veux. Merde, j'ai pas réussi à faire un crit. Je vais parier sur le crit, moi. Bon, vous savez, moi je parie sur les crits. Même du critique, moi. Ah voilà, une stratégie sans faille, ils l'ont dit. De niveau 16. Séquence duo. Très bien. C'est parti. Exploration de ruine. Ouais. Toi, toi et toi. Pourquoi pas? Hello. Là, il faut tirer là-dedans pour le casser. Donc, dès qu'on trouve une balle. Ok. Ok. Merci. On n'a pas de map. Hein. Donc on a été en haut. Là on n'a pas été. Je l'avais pas vu. Pas grave, elle gagne un XP quand même. Voilà. Ok. Bah, en haut et en haut, quoi. On est d'accord là-dessus. Combat d'élite, quoi. La route normale, puis la route dangereuse. On est d'accord. Plus XP, un meilleur fight, tout ça, quoi. Alors, mitrailleuse... Non, défense. Allez, dans ta bouche. Ça va. Dégage. Ok. Il va ajouter colère. Ah bah non, mais regardez, défense. Voilà. Nickel. Facile. Mais oui, facile. Qu'est-ce que c'est simple? Oh, il y a des nouveaux. Esquive élevée, n'attaque
Il n'attaque pas mais apporte son soutien aux unités. Très bien. Défense. Aïe 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 aïe. Et on n'a pas la défense. Ah, et ça, ça loupe pas, hein. Ah non. Allez, casse-toi. Quand il ne reste que la moitié de ses PV, il devient dangereux. Oh. Yes. Ok. Tu peux pas m'échapper. Allez, allez, allez. Tu peux pas m'échapper. C'est ça, t'as vu. Ok. Bon, tu vas mourir. Il meurt. Il meurt. Ah non. C'est pas grave. On peut se soigner. Hmm.
Ok. Allez. Tu peux pas m'échapper! Mais c'était pas lui d'attaquer? Pas un souci. Il va pas faire l'attaque qui touche une fois. Dégage.
Ok. Agit immédiatement après l'utilisation d'une compétence. C'est-à-dire que si je fais ça, je réagis juste derrière. Ok. Pourquoi pas? Casse-toi! Ok, 2-15. Attaque tous les ennemis. Attaque pour infliger fumigène. C'est pas facile ce combat. Yes. On prend la route difficile, c'est avec le combat d'élite, évidemment. Comme d'habitude, sinon vous ne comprendriez pas. Ça me rappelle quelque chose, ce boss. Mais il va peut-être pas pouvoir rétablir son armure. Ah oui, donc elle peut défoncer l'armure, elle. Ah, parce que ça dure 5 tours. Donc en fait, elle, par exemple, ce boss-là, elle lui défonce son armure en un tour. D'accord. Voilà. Ça sert à rien. Dégage. Ça sert à rien.
Merci. Continuons comme ça. Le one shot de 3 ennemis, on aime ça. Oh bordel. Saloperie. Enflammé, déjà pas mal. 750 de dégâts. On a toujours plus de dégâts que ce que nous pouvons lui faire. Bonjour. Je sais trop fort. On va passer en mode assaut par contre. Bonjour. Ouf. Ouf. Elle fait lui un crit. Bah non. Oui. Yes. The door don't look through. Yes. On l'a défoncé. Ok, des soins, l'interlude, un combat simple et des sections différentes avec un combat d'élite en haut. Vous savez très bien ce qu'on veut, nous, les combats d'élite. Je veux dormir. Je vais cuisiner. Je vais parler à Sok. Je vais faire une expédition entre mecs. Planter les légumes. Je vais parler à quelqu'un. Merde, c'est une fille. J'aurai des ruines. Merde, c'est une fille. Putain, je vais dormir. Je vais planter des légumes. Je vais améliorer le réacteur. Ok, toi tu vas améliorer le réacteur. Donc. Pour monter jusqu'au niveau 10, on en a besoin, pas forcément. Tu vas y arriver. Naze, tu m'énerves. Yes, voilà. Ça c'est fait. Ok, ça c'est fait. Bon. Planter des légumes. Des légumes. Hop, on va récolter. On va améliorer la ferme. On peut totalement tout améliorer. Donc, ajouter encore un truc. Qui est ça, par contre, ça c'est très bien. Donc on va le faire. On peut améliorer ça. Très bien. La ferme, ça a l'air fort. Des légumes. Pommes de terre. Du chou. Des carottes. Du blé. La poule. Et le mouton. Voilà. Donc. Dormir. Parler.
expédition. Et eux deux doivent dormir ensemble. Très bien. Et il n'y a pas de soirée pyjama entre femmes ni rien. Donc Sheena, elle va aller dormir avec les deux autres. Vu qu'on est à 3 en lit, donc Malt il veut dormir, lui il veut dormir et elle, elle veut dormir. Ok. Explorer des ruines entre mecs. Donc je ne peux en faire qu'une de ruines. Sheena. Anna, pardon. Passe. À table. Voilà. Sox et parler à quelqu'un. Okay. Alors, toi, tu allais parler à Sox. Ah, est-ce que ça va compter son truc entre mecs là, son la séquence duo ou pas? Je pense pas. Hein. Ça avance entraînement. Malheureusement, j'ai seulement simulé tout ça dans ma tête pour le moment. Il faut encore faire des essais. Qu'est-ce que tu racontes? On va dire, dans mes simulations, elle finit toujours par se remettre en colère. Colère? Tant vieux, c'est quoi tes simulations? Je pense que c'est peut-être impossible. Parler aux filles, c'est peut-être trop compliqué. Attends, tu veux pas abandonner? Je vais t'aider jusqu'à ce que tu parviennes à te débrouiller. Merci, monsieur Bavarois. Arrête avec le monsieur, ça me stresse. D'accord, on va voir ça, monsieur Barra. Je vais vous montrer ce que j'ai appris et vous jouerez la fille. Ok, montre-moi ce que ça vaut, joli cœur. Ah si, ça compte, yes. Elle veut parler à n'importe qui, donc... Salut ? Oui, mais non. Oui, parle à la magicienne. J'ai peur de me battre, si ça permet de sauver tout le monde. Ok. Voilà. Et je veux faire une expédition entre mecs. Voilà, c'est tout. Je m'en charge. Je m'en charge. Par contre, on n'aura pas amélioré le char. C'est un peu embêtant. Ok. Et une expédition entre mecs. Alors, Malt, Sok et Jean. Pourquoi pas. Alors, là, on peut tirer. Là, il faut tirer. Hop. Hop. Touk, 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 touk. Là, on a été en haut. Attention au piège. Sheena en est morte. On est d'accord que là on a été. Ouais. Yes. Yes. Explorer des ruines, on n'a pas assez de PA. Alors, on peut l'agrandir pour le mettre au niveau 3, ok. Oui, non mais je peux agrandir des choses. Je vais me laisser regarder ce que je peux agrandir.
s'il te plaît, le jeu. Donc on peut agrandir l'atelier. On peut toujours agrandir que l'atelier. Si on peut agrandir que l'atelier, on agrandira l'atelier. On pourrait agrandir la cantine. Ça change quoi d'agrandir la cantine? Niveau 3, on peut faire de meilleurs plats apparemment. Meilleurs plats ou amélioration plus plus. On n'a pas pu améliorer, donc je pense que faire de meilleurs plats, c'est plus efficace. Et on peut quand... Ah non, on peut pas améliorer la télé. Pour améliorer les deux, et pour améliorer ça, il nous manquera juste des outils basiques. Très bien. Oui, oui. Non, mais il fallait quand même que j'améliore mes trucs. Deux outils basiques et je pourrais améliorer mon atelier. Je suis très content. Allez. Nananana. On se calme. On se calme les cacao. Voilà. Quoique. Hop là. Et après c'est deux bleus et deux rouges. On va faire ça comme ça. Parce que ce bleu. Casse-toi. Rien ne se produit. C'est pas grave. Là, rien de se produit. Okay. Je joue dans 8 heures. Hein. Je peux commencer à les soigner. Ah non, toujours pas. Écoute, tu lui. Ok. Pas jouer en fait l'ordinateur là. Moi ça me dérange pas hein. Ça me dérange pas moi, vous savez. Par contre les 40% c'est peut-être pas tout à fait ça. Hein. Merci. Bon, la technique on va peut-être prendre cher. Ah non même pas, alors la technique ça a été... On va aller défoncer l'ennemi. C'est tout ce qui compte. Tous nos PV, très bien. La route normale, la route difficile. Alors, par contre, 3 combats normaux, c'est moins qu'un combat d'élite. C'est ça que le jeu est en train de me dire. Donc... Continue à rien faire, hein, c'est assez marrant.
Ils doivent bugger les trucs bleus, non? J'ai l'impression que les bleus buguent. Ah non. Ah, ils soignent tout le monde. D'accord. Ah, eux, c'est tous les alliés, d'accord. C'est que le blindage, très bien. D'accord. Ça va le passer, ça va le faire, ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux gros chats. Établir. Ah non, même pas. Ça va aller. C'est bon, on a gagné. Pas besoin de se soigner là. Allez, vas-y. Quel talent! Gros char. Finissez-le. Finissez-le. Finissez-le.
va aller. Attention. Attention. Attention, ça joue de colère, donc il va taper plus fort. Gigagriffe. Oh, heureusement que j'avais mis la défense. 1500 PV avec la défense activée, ça fait mal au cul. Méchant. Ok, c'est bon, dingue. Yes. On est vivant, on est trop fort. Ok. Suite, une séquence duo peut se déclencher, yes. On va laisser plein de trucs. Les plans avancés, ah ça c'est une bonne nouvelle. Bon bah on va aller vers le combat d'élite hein. Allez c'est parti. Route normale. Route dangereuse. Mais regardez, on a un soin juste avant le fight final. C'est bon. C'est ok tier. Oh merde. T'as pas un truc, je défonce tout le monde toi? Regardez. Shanmin! Crevez tous! Là, il faut pas taper, il faut se booster les gars. T'es nul. Pas ça. 80% de chance, non. C'est bon. Très bien, boostez-vous. C'est une bonne idée. Alors, tac, 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 voilà. Bougez pas. Excusez-moi, hein. Je vais me soigner aussi. Autant. Courage. Ah bah merde alors, tu joues derrière nous. Oh bah merde alors, on a ta défense. Allez, casse-toi, rentre chez ta mère. We are in the caca. Il fait quoi son attaque du duo? Hauteur de tous les ennemis, très bien. Et en même temps tu vas descendre les deux duos. Voilà. Donc là, tu mets lui, s'il te plaît. Parce que lui, il peut faire son champ de mine. Voilà, merci. J'aime ce. J'aime ce. Défense. Voilà. Compétence, tir perçant. Tire perçant.
Comme ça, on peut toujours lui percer son armure. Encore un tour. Dégage. Allez, rentre chez ta mère. Oui, on va pouvoir manger, t'inquiète pas. Tout le monde est niveau 17 au moins. Touche 3 fois un ennemi, réduit son niveau de blindage de 2. C'est très bien. Très puissant, très très puissant. Ça tombe bien de débloquer ça juste avant un combat de d'élite. Oh, ils sont là. Ils sont là. Cassez-vous. Ah merde. Ah bah lui ça va, lui il va mourir. Voilà. Lui dégage. Ça touche. Voilà. Ah bah oui qu'on va y arriver. Allez. Mais oui, vous inquiétez pas, ça passe. Je peux me soigner, donc je m'en fous. Non, toi tu vas faire la berceuse. Ah, on aurait pu faire l'attaque duo avec l'autre lors de, du combat de boss. Voilà. Pourquoi chercher à comprendre? Bah oui que c'était parfait. Merde. Donc là il nous faut que du rouge. On va quand même laisser un bleu hein, pour... Voilà. Lui d'abord peut-être. Ça, ça rend des PV donc pour le moment on va pas la faire. On va attendre d'être dans le mal. Je savais que ça allait louper. Mais comment je le savais, vous inquiétez pas. Vous pouvez pas savoir. Vous. Ok. On va pas faire le truc et tout. Putain. Ok. Dégagez. Merci. Okay.
Casse-toi. 1000 de dégâts. Ils font mal quand même. Retarder au moins. Ok. Merde. Et ça va. Voilà. Alors, on a dit. Ça n'a pas marché. Dommage. Ok, il a raté. Ça, ça me va. Allez. Oui, cachez-vous. J'ai bien fait de le faire. Aïe. Tu veux pas crever, toi ? Merci. Casse-toi. Voilà. Tu vas faire quoi maintenant? Ok.
Séquence duo peut se déclencher. Très bien. Séquence duo peut se déclencher. Très bien. Quand le combat de boss. Allez, un interlude. L'un des enfants est blessé et tombé inconscient au combat. Cela aura de grosses conséquences. Je veux planter quelque chose. Je veux récolter de bons ingrédients dans la ferme. Je veux pêcher. Je veux ouvrir un coffre. J'ai faim. Je joue avec la poule. Ok. Je veux planter des fruits, je veux avoir une conversation, je veux faire la lessive, je veux agrandir une installation. Ok. Donc, 1, 2, 3 dans la ferme. Alors. Voilà. Déjà, tu vas aller à la ferme. Ok. C'est bon. Planter quelque chose et poulotte et des fruits. Donc il nous faut des fruits, la poulotte et quelque chose. Ok. Donc. Je crois que la ferme ça touche tout le monde, mais bon. Jouons avec Malte. Qui lui doit aller dormir. Alors. Tu veux planter quelque chose. On a des fruits. Voilà. On a la poulotte. C'est bon. Planter des fruits. Jouer avec la poulotte. Planter quelque chose. Ok. Séquence duo. Salut. Salut Anna. Oh bien, tu sembles en pleine forme, ça veut dire que moi aussi je vais pouvoir me reposer. Bah faut bien, je vais pas laisser maman s'inquiéter. Ça y est, tu remets ça, tu me cherches. Je suis toujours une jeune fille, je te ferai dire. C'est juste que je m'inquiète naturellement pour toi. Je suis désolé. Quoi qu'il en soit, quand tout sera fini et que l'on rentrera à la maison, prenons le temps pour nous détendre. On oubliera tous nos soucis et on sera tranquille. Oui, et sortons dans un endroit calme un jour tous les deux. Oui, bien sûr, je te le promets. Ah, l'amour. Ok. Ah, mais donc ce serait le maximum. Ok, alors, voyons juste voir un truc. Personnage, non. Séquence duo. Oui. Il n'y a que 3 niveaux. Ok. Donc, Anna et Malte sont au plus haut. Très bien. Ok. Personne ne veut dormir. Ça me fait chier. Ok. Qui est en retard sur l'XP 19-18. Donc, Anna, Kyle, alors Boron. Boron et Jean. Très bien. Donc, dormir, Malte, Boron et Jean. Ok, Boron et Jean ont monté de level. Très bien. Très bien. Ok. Pêcher de la ferraille, explorer des ruines, agrandir une installation, faire la lessive, une conversation, j'ai faim. Ok, alors, Shina. Qui peut parler à Jean. Alors, où est-ce qu'il est? Il est pas là. Ah, il y a un objet à aller chercher en haut. J'ai vu la petite lueur. Ah bah il est là.
séquence duo. Tu t'es fait mal au doigt ? Là, c'est rien. Mais je ne peux pas te laisser ainsi. Comment c'est arrivé ? J'ai juste fait un peu mal en réparant une machine. Je vois, je vais jeter un coup d'œil. Si tu veux, mais c'est pas grand-chose. Orirusa. Ah, tu m'as guéri. C'était une de tes incantations ? Oui. Je n'aime pas les utiliser, mais une blessure mal soignée peut mal tourner. C'est vrai. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Fais-moi signe si tu as de nouveau un souci. J'espère que ça n'arrivera plus, mais c'est noté. Ok, donc toi tu veux faire la lessive, donc buanderie avec Jean, parce que pourquoi pas. Ok, bien. Agrandir une installation. Ça, c'est pas trop compliqué. Je m'en occupe. Et tu peux, voilà, tu peux améliorer ça, donc tu vas le faire. Ok. Ça, c'est fait. Ruine, j'ai faim, la pêche à la ferraille, il me reste combien de PA ? Ok, donc 1 pour la conversation, 3 pour la faim, donc ça fait 4, 9, 11. Je peux tout faire normalement. Très bien. Donc Kyle. Vous allez voir. Va aller pêcher. Yes. Yes. Ceux qui voulaient aller dans les ruines, hein. C'est ça. Ouvrir le coffre. J'ai une conversation avec un mec. Il est où? Ah mais eux deux ils sont aussi à fond. Oh. Okay. Va regarder qui est à fond et on va peut-être changer les dans les combats. Fabriquer des trucs, mais c'est juste pour mes farces. Voilà. Ok, ça c'est fait. Non, c'est là qu'il faut aller. Salle d'observation. Les usines de Shetland, très bien. Ouais, pourquoi pas. Donc il y a Sox, Sheena et Chick. Il me semble que c'est eux qui sont en retard. Très bien. Clé, faut casser. Il y a la clé juste derrière. Très bien. Le coffre est là. Il nous faudra 2 balles et la clé avant de retourner ici. Donc avant de retourner à gauche, il nous faut 2 balles et la clé. Là, 3 balles. Donc plus que la clé. Donc plus que la clé. Ça c'est qu'il y a des mobs, je pense. Oh, beaucoup à casser. Il y a trop de balles. Je ne peux pas ouvrir. Bah, 2 balles de trop, bah, très bien. Yes. Attaque pour infliger faiblesse à l'ennemi. Très bien. Ok. Il ne reste plus que le G-fin. Donc, on va prendre Anna pour faire à bouffer. Niveau 3, on a quoi? Un soufflet.
Ah, on n'a pas assez de pommes. Dommage. Ah, mais on peut le faire avec du pain. Très bien, donc tout le monde est bon. Et d'accord. Très bien, alors, par contre, au niveau du, des affinités. 10. 2 avec Mei. Donc tu vas peut-être aller te battre avec Mei. Toi, tu vas aller te battre avec quelqu'un d'autre que Mei. Très bien. Voilà, il faudrait que je mélange les 10 avec les 10. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ça me paraît bien. Et on va améliorer le char. Donc, alors attends. E2, il faut changer. Donc. Voilà. 1, 1, 8. Ah, ben on le voit ici. Très bien. Ok. Yes. Et on va regarder pour améliorer le char. Avec quelqu'un qui est en retard au niveau de l'XP. Bah, ce sera avec Hack. Voilà. C'est celui qui est le plus en retard. Ah, mais il a une séquence duo. Oh, vite! Oh, vite! Épisode encore de 850 000 heures. Séquence duo! C'est quoi le problème? Tu ne devrais pas aider pour le ménage? Je voulais aider à réparer les machines ou les armes, mais ils m'ont dit que c'était dangereux et de chercher autre chose à faire. T'as sûrement raison, tu aurais pu te blesser. Ça me saoule, mais j'imagine que t'as raison. Du coup, je suis perdu, je sais pas quoi faire. Pourquoi ne pas nettoyer cette salle ensemble? Quelqu'un fait souvent des farces pas ici et laisse toujours un sacré bazar. J'étais pas le seul à le faire dire. Je fais que suivre pour veiller à ce que tu ne dépasses pas les bornes. Maman aussi dirait ça, non? De nettoyer ton bazar. Ça y est, tu recommences à parler comme man. Mais c'est pas juste, si tu veux que je nettoie, ok. Eh bien. Ok. Réparer le char. Alors, de quoi qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire! Eh bien, on va améliorer le lance-grenade. Parce que pourquoi pas? Laisse-moi t'aider. Yeah. Et voilà. Alors, on pourra améliorer ça, on pourra améliorer ça. Oh, on pourra tellement tout améliorer. C'est tellement bon. Mais on va d'abord repartir au combat. Ok, c'est parti pour le combat de boss et la fin de l'épisode ensuite. Les enfants arrivèrent aux abords de l'usine dont parlait Jean. Bon sang. C'est l'usine de mon père, où cette garce continue de faire sa loi. S'il te plaît, calme-toi. Il n'aurait pas t'énerver autant. Voyons d'abord ce qu'il en est, d'accord? Ouais, désolé. Un char à l'apparence particulièrement redoutable se distinguait de la garde Berman postée à l'entrée de l'usine. Une officière Berman descendit de la machine. Je suis le lieutenant-colonel Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas des forces spéciales. Comment osez-vous tenir tête à l'Empire Berman et tuer le général Bretzel, l'homme qui m'a élevé? Les paroles de la jeune femme firent sortir Jean de ses gonds.
Berlin, c'est toi qui as tué mon papa. Vous ne pouvez pas comparer les vies du peuple élu de Berlin à celles de déchets. Vous devriez plutôt être honoré que cette pathétique usine ait servi à nos desseins. Je te jure sur ma truffe que je te défoncerai le cul. Récupérons cette usine. Quelle horrible et dérangeante personne. Même pour une Berman, même moi je sens de mes gonds. Jean, moi aussi je suis en colère. Elle est toute seule. Ok. Deux jaunes, un rouge, et elle a pas de défense. Par contre, elle aura le gros canon comme l'autre. Alors, deux jaunes, un rouge. Ah, pas bien ça. Et on va commencer par une défense. On va d'abord casser la tourelle, par contre. C'est pas grave. Il est pas mort ? Il devait lui rester un PV au truc. Encore un tour. Ok, au prochain tour, il va relever sa défense. Malte, j'ai peur. Ah, ça coûte 3. Ça va toucher. Ok. Ok, donc d'abord le blindage et après elle fera les PV. Le Béhamine!
Couché. Yes. Ok. Dommage. Ok. Et toi, t'as plus peur. Ouais, mais ça va pas toucher celui qui est derrière, donc on va d'abord retarder ce con et on lui balancera nos attaques du haut après. Là, il va remonter. Ah, j'aurais dû mettre défense, merde. Aïe. Ouh, yes. Baisse la précision de la cible, maître. Merde, c'était pas la bonne. Ah, restaure des PC. Alors ça, par contre, c'est bien. Ok, il n'y a plus qu'une cible. Ok, on va rentrer en mode héros. C'est à nous. Deux fois plus puissant. Voilà. Alors attends. Il nous faut. Elle. Pour se régénérer. Là, ça va faire mal. Allez.
Réparation, ok. Qui a son attaque duo complète? Toi et toi. Ok, eux ils ont leur attaque duo, très bien. Attention qui va taper. Et eux aussi, très bien. C'est ça. Ça fait quoi? Non. Attaque tous les ennemis, la jauge d'attaque duo des autres se remplit. Vas-y. Aïe. Tire fragmenté, vas-y. Je peux pas prendre le risque que l'autre voit sa vie recharger. Sans utiliser de SP, et ça c'est bien. Histoire des PV. Ok, on lui a mis malchance. Charge énergie, il va falloir se mettre en défense, c'est sûr. Défense! Ne vous inquiétez pas, ça va aller! 50% de chance de toucher. Toi, t'as pas peur. Toi, t'as pas peur. Et toi, t'as pas peur. On va le faire ça comme ça. Je peux l'avoir. Attaque duo. Ça fait quoi, toi? Chance d'infliger faiblesse. Ok. Elle va se relever. Défense. Attaque. Oui. Oui. Je ne peux pas accepter ça. Je me demande si les gens de l'usine vont bien. Maintenant l'usine est libre. Youpi youpi. Père, j'ai réussi. Flamme Quiche, miraculeusement toujours en vie, s'extirpa de la machine et s'effondra au sol. La garce a survécu. Tuez-moi. C'est vous avez tué mon père. Cédant à la provocation, Jean pointa un canon sur elle, prêt à l'achever. Non, Jean, non! C'est alors que... Tu n'es pas un meurtrier comme elle. Elle a eu son compte, Jean. Mais qu'est-ce que tu fais? Jean baissa les yeux. Après un moment, il se ressaisit, releva la truffe et hurla. Bon sang! Dégage hors de ma vue, espèce de grosse! Même si on a réussi à reprendre l'usine, je ne sais pas. Je sais que c'est pas facile pour toi tout ça. On sera toujours là pour toi, Jean. Les enfants décidèrent d'épargner l'officier Berman et commencèrent à libérer les prisonniers de l'usine. Flamme Quiche leur jeta un long regard noir de haine et s'en alla en vacillant, sans se retourner. Yes! Comment un ennemi, ces enfants, comment peuvent-ils avoir pitié de moi? Jamais je n'oublierai cette humiliation. Très bien, chapitre 5 terminé. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.